Donc le domaine de la Tour Vert est une exploitation, alors pas particulièrement que viticole, parce que dans les années 1750 c'était plutôt élevage, culture et viticulture. Et donc depuis 5 générations on est sur ce domaine, famille Pinard. Mon grand-père dans les années 1960 a choisi la culture biologique sur la totalité de son exploitation. Aujourd'hui, on exploite 25 hectares de vignes qui sont transformées à 80% en bouteilles. L'autre partie, on a un petit contrat qu'on a depuis très longtemps avec la maison Courvoisier qu'on a voulu conserver. En 2011, on décide de racheter la brasserie La Goule. C'était une brasserie qui était située à 4 km de chez nous. Et en fait, l'idée, c'était diversifier notre production sur un produit qui n'était pas du tout viticole pour pallier aux aléas climatiques. C'est-à-dire qu'on avait le projet de prendre une grosse assurance grêle, parce que là, on était vraiment dans des situations un peu compliquées. Et le fait de prendre cette brasserie, on s'était dit que notre assurance grêle, en fait, allait être là. J'ai deux secrétaires, un brasseur et trois salariés permanents dans les vignes. Moi, je gère donc une ERL qui s'occupe de la partie viticulture, production, et une SARL qui va gérer toute la partie commercialisation ainsi que la brasserie.